avis de la HCC, ni vainqueur, ni vaincu, soutient Bettina Bruno. Le sénateur Bettina Bruno estime qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu dans l'avis de la Haute Cour constitutionnelle d'hier. Selon ce parlementaire, cet avis entre dans une logique juridique. Maintenant, il faut penser à l'avenir, estime le sénateur Bettina Bruno. Il faut dialoguer, il faut se parler, a-t-il fait savoir. On n'était pas contre la tenue d'un référendum constitutionnel, a fait savoir le sénateur, avant d'ajouter que c'est la philosophie même de cette démarche qui nous est floue. Le problème des sénateurs, soutient toujours notre interlocuteur, réside dans le souhait du président de la République de supprimer le Sénat alors que c'est une institution de la République. On est une institution de stabilité. L'année dernière, une crise politique et institutionnelle grave ont pu être évitées grâce à la présence du Sénat, en particulier du président du Sénat, a fait savoir le sénateur Bettina Bruno. Il a réaffirmé l'importance de cette institution de la République.